Dans les saintes écritures. We're going to read from the holy scriptures. Dans le livre de Nombres. From the book of Numbers. Chapitre 21, verset 1 à 9. Numbers chapter 21, from verse 1 to 9. Nombres chapitre 21, verset 1 à 9. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. La parole de Dieu nous raconte une histoire vraie. The word of God tells us a true story. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. The children of Israel were in the desert. Ils avaient manqué de patience. They were impatient. Et ils avaient parlé contre Dieu et contre l'homme de Dieu, Moïse. And they spoke against God and against the man of God, Moses. Donc ils avaient péché. They sinned, therefore. Et parce qu'ils avaient péché, now, because they had sinned, Dieu a envoyé les serpents les mordre. God sent snakes to bite them. Et il y a eu beaucoup de morts. And many of them died. Et pendant qu'ils tombaient, and as they were dying, ils sont allés vers Moïse. They went to Moses. Ils ont dit à Moïse, they told Moses, pardon, please, prie pour nous. Pray for us. Nous reconnaissons notre péché. We acknowledge our sin. Pardon, Moïse. Please, Moses, prie pour nous. Pray for us. Et Moïse a prié pour eux. And Moses prayed for them. Et Dieu a dit à Moïse, and God said this to Moses, je t'exauce. I'm going to answer you. Pour les sauver, for to save them, fabrique un serpent d'airain, tu le places devant eux. Make a bronze snake and put it before them. Si quelqu'un est mordu, if anyone is bitten, par le serpent, by a snake, qu'il court seulement regarder le serpent d'airain. All he has to do is to run and look at that bronze snake que tu auras élevé sur une perche. That you would have hung on a tree, on a pole. Moïse a fabriqué le serpent d'airain. And Moses made the bronze snake. Il l'a placé devant Israël. And he placed it before Israel. Et quand quelqu'un était mordu, and each time someone was bitten, il courait seulement. He would only have to run. Il se tenait là. And would just stand there. Il regarde le serpent. And look at the serpent. Et il est guéri. And he is healed. Voilà l'histoire. That is the story.
Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lisez pour nous Jean chapitre 3. Now read for us John chapter 3. Lisez à partir du verset 1, verset 13 jusqu'au verset 16. Read from verse 13 down to verse 16. Jean chapitre 3, verset 1 au verset 16. 13 à 16. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. A rappelé cette histoire que nous venons de lire. He recalled the story we just read. Pendant son ministère terrestre. During his earthly ministry. Pendant qu'il était dans ce monde. When he was in this world. Et qu'il prêchait la bonne nouvelle. And was preaching the good news. Un jour. One day. Il leur a dit. He told them. Dieu. God. A tant aimé le monde. So loved the world. Il a donné son Fils unique. He gave his only son. Afin que quiconque croit en lui, so that whoever believes in him, ne périsse point, will not perish, mais qu'il ait la vie éternelle, but will have eternal life. Et il a dit, and he told them, mais, but, il faut que le Fils de Dieu, the Son of, that is need that the Son of God, soit crucifié, soit élevé, be crucified, be raised up, qu'il soit sur le bois comme le serpent de Moïse, était sur une perche. He must have to be on that pole, the wood, just like the serpent that Moses made and hung on the pole. Jésus dit, Jesus told them, car Israël a péché dans le désert, when he did sin in the desert, Dieu a dit à Moïse, God told Moses, de fabriquer un serpent d'airain, make a bronze snake, et de l'élever devant le peuple, and hang it before the people. Et Jésus dit, and Jesus said, il faut que lui, le vrai Messie, that is need that him, or him, the real Messiah, soit crucifié, be crucified, afin que si quelqu'un a péché, So that if anyone has sinned, et qu'il est en train de souffrir des conséquences, and is suffering from the consequences, en attendant le salaire, le plein salaire, le lac de feu, while waiting for the full salary in the lake of fire, dès que tu regardes Jésus, the moment you just look at Jesus, Dieu te pardonne. God will forgive you. Jésus, Jesus, a été élevé déjà. Was raised up à la croix du Calvaire. On the cross of Calvary. Il était élevé. He was raised. Il était crucifié. He was crucified. Sur le bois. On the wood. Et il est là. And he's ce right soir. Tonight. Si tu sais. If you know. Que tu souffres. That you are suffering. À cause du péché. Because of sin. Jésus va te pardonner. Jesus will forgive you. Acclamation à Jésus. A clap for Jesus. Moïse éleva le serpent dans le désert. Moses raised the serpent in the desert. Et le Fils de Dieu sera élevé. And the Son of God will be raised up. Et quand il sera élevé, and once he will be raised celui up, qui va regarder, and anyone who looks sera at him, sauvé. Will be saved. C'est le message de Jésus. That's the message of Jesus. Moïse a élevé le serpent dans le désert. Moses raised the serpent in the desert. Parce que le peuple avait péché. When the people had sinned. Et le peuple était en train de mourir. And the people were dying. Parce que quand tu pèches, now because when you sin, te punis. God will punish you. Lis Romains 6, 23. Read Romans chapter 6, verse 23. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le salaire du péché, the wages of sin, c'est la mort. Is death. Le salaire du péché, the salary of sin, c'est la mort. Is death. Le salaire du péché, the salary of c'est sin la mort. Is death. Quand tu mens, when you lie, tu pèches contre Dieu. You sin against God. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont libres. Many people think that they are free. Non, not at all. Chaque acte que tu poses, every act that you commit, qui n'est pas bien, which is not good, qui est un péché, which is sin, et contre Dieu, is against God.
Et Dieu a maudit le pécheur. And God has cursed the sinner. Il y a des malédictions qui accompagnent chaque péché. There are curses that accompany every sin. Vous voyez? You see? Dans le désert. In the desert. Ils ont murmuré. They murmured. Les conséquences. The consequences. La mort. Death. À travers quoi? Through what? Les serpents. Serpents. Beaucoup sont mordus par les serpents de nos jours. Many are bitten by serpents in our day. Un monsieur m'a vu. A man saw me. Il m'a dit, tu es jeune, tu es très jeune. He told me, but you are young, you are still young. Il dit, là où tu me vois. As you see me like this. Toute ma vessie est perforée. My bladder is all bursts. Les maladies vénériennes. Venereal disease. Le péché. Sin. Il me dit là où tu me vois. He said, as you see me like toute this. Toute ma vessie est perforée. My entire bladder is burst, is perforated. On prêchait l'évangile dans cette ville. We were preaching the gospel in this city. Quelqu'un s'est levé. Somebody stood up. Il dit, j'ai un témoignage. So I got a testimony. Il a pris la parole. He took the microphone. Il dit, mes frères. He said, my brethren. Dans ce pays. In this nation. J'étais un grand. I was a big man. J'avais l'argent. I had money. Il y avait encore le pétrole. And there was still petrol. Et il dit, he said, mais but l'alcool. Alcohol. À tout prix. Took everything. Il dit, regardez comment je suis habillé. So look at the way I'm dressed. Il était pauvre. He was poor. Pauvre. Poor. Même son habillement était très pauvre. Even his dressing was so poor. J'étais grand. I was a big man. L'alcool à tout prix. Alcohol swept everything away. J'avais rendez-vous avec une jeune fille. I had an appointment with a young girl. Ici à Douala. In here in Douala. Dès que je me suis assis, the moment I sat down, elle a commencé à pleurer. She began to weep. Je me suis dit, même si je suis rempli du Saint-Esprit, est-ce que c'est comme ça? I said, but even if I'm so full of the Holy Spirit, is it this kind of way? Je ne dis rien, quelqu'un commence à pleurer. I have not even started saying anything. Someone just begins to cry. Je lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? I asked her, but why are you crying? Pourquoi tu pleures? Why are you weeping? Elle dit, j'étais un enfant de Dieu. She said, I was a child of God. J'étais un enfant de Dieu. I was a child of God. Et j'avais retrogradé. And I backslid. Et je suis allé commettre la fornication. And I went committed fornication. Et j'ai attrapé une grossesse. And I contracted, I conceived. Je voulais enlever. I wanted to abort. Et puis, mon utérus a été enlevé. My uterus a been removed. Who will marry me? J'ai dit, ah. I said, okay. Qui peut m'épouser? Who will marry me? L'utérus est parti. The uterus is gone. Elle pleure tous les she jours. She was weeping. She weeps every day. Quand elle pense au mariage, when she thinks of marriage, elle dit, qui peut m'épouser? She asks herself, who will get married to me? Alors je me suis mis à l'exhorter. I began to exhort her. Le péché, sin, tue, kills. Dans cette ville, in this city, il y a une sœur qui a retrouvé. There's a sister who backslid, qui est partie commettre le péché. She went commit sin. Elle a attrapé une grossesse. She conceived. Elle a voulu enlever. And she wanted to abort. C'était vendredi. It was on a Friday. On m'a appelé, on dit, il y a quelqu'un malade, viens prier. They called for me and they said, there's somebody who's sick, come and pray for the person. Je suis venu. I came. J'ai prié ici. I prayed here. Ça quitte là, ça va ici. I pray and je prie. Something moves and comes here. Ça quitte là, ça va au vent. It moves and comes. Je prie. I pray. Ça va au pied. It goes to the leg. J'ai arrêté. I stopped. Je l'ai appelé dans la chambre. I called her into the room. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? I asked her, but what is it? Elle a commencé une histoire. She began a story. Après, elle a dévié. Then she turned around. Elle voulait dire la vérité. She wanted to speak the truth. Après, elle a changé. Then she changed. Et j'ai prié pour elle. All the same, I prayed for her. Je lui ai dit, va à l'hôpital. I told her, go to the hospital. Je savais que la prière, c'est la foi. Quand ça quitte le genou, ça va au dos, au ventre, tout I ça. I knew that prayer is faith. When it leaves the knee and comes to the stomach, and it goes to the back. Ce n'est plus un démon. It's no longer a demon. Un démon qui dépasse les enfants de Dieu, je ne l'ai pas encore rencontré. A demon that is more than children of God, I've never met such. Elle est partie à l'hôpital. She went to the hospital. On lui a rendu visite. They carried out the test on samedi. Her. On lui a rendu visite dimanche. On Sunday, lui a rendu visite. They walked around on lundi, Sunday, on Monday, mardi, on a Tuesday. Le médecin nous appelle. Ah, the
Doctor called us. Que elle a fait curetage, que tout est pourri. That tout, she tout. Has cleaned the whole her whole stomach, and that everything is rotten inside. Quand je suis arrivé, when I got there, elle voulait dire, elle délirait déjà. She wanted to speak. She began going off. Elle, speaking off. Et un frère a rêvé. And a brother dreamt. Dans la nuit. In the night. Un esprit est venu en flamme. A spirit came in rage. Et l'a saisi. And laid hold of her. Et l'a emporté. And took her away. Le matin, elle est morte. And in the morning, she was dead. Le salaire du péché. The salary of sin. C'est la mort. Is death. En vérité, c'est pas une image. This is the truth. It's not an image. Le salaire du péché. The salary of sin. C'est la mort. Is death. Son manque de transparence. Her lack of transparency. L'a tué. Killed her. Si elle m'avait dit ça vendredi. J'allais dire aux anciens. I would have told the elders. Ils allaient la sauver. And they would have saved her. Le Saint-Esprit m'a dit, amène-la dans la chambre. The Holy Spirit told me, take her to the room. Le mensonge. Lies. La ruse. Ruse. L'hypocrisie. Hypocrisy. La dissimulation. Dissimulation. Le salaire du péché. Salary of sin. C'est la mort. Is death. C'est la mort. Beaucoup de souffrances. Many suffering. Cash. Things you hide. Le salaire du péché. Salary of sin. C'est la mort. Is death. C'est la mort. Is death. Elle est partie. She went. Je n'ai jamais oublié ça. I've never forgotten. Son salut était là. Her salvation was at hand. Il fallait seulement dire à son frère. She only had to tell her brother. J'ai commis un péché. I committed. Que j'ai pris les comprimés. And I took drugs. On allait la sauver. We would have saved her. Le salaire du péché, c'est la mort. The wages of sin is death. Beaucoup ont de VIH sida. Many have AIDS. Je ne me moque pas de toi. I'm not mocking at you. Mais il est bon de savoir. But it is good to know this. Que Dieu a puni le péché. But God has punished sin. Il dit que ceux qui pêchent, he said, those who portent les souffrances, les conséquences dans leur corps, will bear the consequences in their bodies. Ils portent les conséquences. They will bear the consequences. Et ça les suit. And it follows them. Et ils vont mourir. And they will die later. Un jour, one day, une sœur est venue. A sister came. Elle me dit, and she told me, mon entreprise demande qu'on fasse les tests de VIH. My company is asking that people go to make the test of HIV test. Elle me dit, j'étais dans le monde. In the world, she told me, in the world, je vivais avec quelqu'un. I was living with someone. Il est mort du sida. And the person died of AIDS. On a eu un enfant. We had a child. L'enfant est mort du sida. And the child died of AIDS. Moi-même, myself, je commence à sentir le mal. I'm beginning to feel the pain. Je lui ai dit, va faire le test. Go and carry out the test. Elle est partie faire le test. She went and did the test. Elle est revenue avec. She brought it positif. Positive. Elle est malade. She's sick. Par la puissance du Saint-Esprit. By the power of the Holy Spirit. J'ai pris le bulletin. I took the test result. Je lui ai dit, I told her, c'est faux. It is false. Va reprendre. Go and do it again. Elle est partie reprendre. She went and did it. Négatif. Negative. En 2021, elle a eu les problèmes de santé. She had health challenges. J'ai même partagé ça un peu à la RAM. I haven't shared it at the RAM. C'est-à-dire, le Seigneur m'a enseigné une autre manière de croire en lui. The Lord was teaching me a new way in believing, to believe in Him. Quelque chose m'a dit Boniface. Something told me Boniface. Tu as dit à cette femme qu'elle est guérie. You told this woman that she was healed. Si elle meurt là, if she dies, je reste comme ça. Je dis mais I would remain like this. I said, but est-ce que c'est le doute? Is it doubt? Après je l'ai appelé. Afterwards, I called her. J'ai confié à notre médecin. I confided her to our doctor. Il a dit, fais tous les tests, mais commence par le VIH. I sent her to our doctor. I said, carry out all the tests, but begin with HIV. Après, le médecin m'appelle. After that, the doctor called me. Il dit, c'est négatif. And said, it is negative. Plus de 20 ans après. 28, more than 20 years. La guérison de Jésus demeure. The healing of Jesus abides. Il
Je dis ça pour que celui qui a levé ne soit pas découragé par les commentaires que je suis en train de faire. Je suis en train de montrer que le péché est mauvais. I'm saying this that anyone suffering from HIV will not think that I'm mocking at him or her, but I'm just saying, I'm letting you know so that you get convinced that anyone who sins, there are consequences that follow. Un jour, one day, le frère Zach est venu en Côte d'Ivoire. Brother Zach came to Ivory Coast. À la fin, il priait pour les malades. At the end, he was praying for the sick. Il a dit, si tu es levé, viens pour toi. If you are HIV positive, come. If you are sick of HIV, come out. J'ai couru. I ran. Je suis allé le supplier, pardon. J'ai dit, beaucoup auront honte. I ran to go to him. I ran to go and tell him that, please, if you do it this way, many will be ashamed. Just pray. Il a prié. And he prayed. C'était dimanche. It was on a Sunday. Mercredi. On Wednesday, le sœur m'appelle. A sister called me. Pastor. Je suis guéri du sida. I am healed of AIDS. Je ne te parle pas des choses au temps de Methuselah, des choses de notre génération. I'm not talking of things in the days of Methuselah, the things of our day. Je suis guéri. Le frère Zach a dit. Par exemple, si j'ai appelé le frère Zach, il dit, il y a la guérison du sida ici. Il a dit de faire le contrôle sur trois laboratoires. He said they should carry out the control in three different laboratories. Négatif. Nous avons un médecin. We have a doctor. Il s'appelle Docteur Nat. It's called Doctor Babatunde. Doctor Babatunde. Il m'a dit. He told me, je suis médecin. I'm a doctor. Mais j'ai palpé la guérison divine. But I touched divine healing. Sa tête de scientifique était tournée. His head full of cells was turning and le sida. AIDS. Guéri. Healed. Un contrôle. Deux contrôles. He cannot control one, two, three. Qui fait tout ça? Who does all this? Jésus Christ. Jesus Christ. Moses, va, go, fabrique un serpent d'honneur, make the bull snake pass devant eux, put him in front of the camel, je parle au serpent, put him in the snake, il regarde le serpent, just gaze at the snake, il ne mourra pas, he will not die, et les gens vivaient maintenant, and people are now going to the serpent, and you just retire là, you stand there, tu vas le venir fuir, and you see, you get at the snake, you say, ah, et puis tu rentres vivre la vie, and then you go back to live your life, acclamons Jésus, let us start to live it. C'est ce qui va arriver. If it's going to happen, je vous dis la vérité. We are telling you the truth. Notre privilège, our privilege, c'est que nous avons vu de nos yeux. Is that we have seen this our eyes. Touché. We have touched. Nous rendons témoignage. We are just testifying. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Nous avons prié. On était en train de prier comme on prie là. We're praying like we're doing. Une sœur est partie. A sister left. Le fibrome est tombé. The fibrome fell. Sa sœur, sa tombe. It came out and fell. De telle sorte que toi qui écoutes même le témoignage, te faut la foi. In the way that c'est vrai. In the way that you listen to this testimony, you have faith and confirm that it is true. Soit invité. Have you been invited? Sois attentif. Please be attentive. Ce n'est pas un homme qui t'a amené ici. It's not a man who brought you here. Même si on t'a invité. Even if you were invited. Mais pour arriver ici, for you to get ce n'est pas un homme qui l'a rendu possible. It is not a man who made that possible. C'est Jésus-Christ. It is Jesus Christ. Parce qu'il veut agir dans ta vie. Because he wants to act in your life. Pas seulement pour les choses de ce siècle. Not only for the things of this world. Et il va te sauver. He will save you. Il va te guérir. He will heal you. Il va te garder dans la foi. Change your thoughts, your mindset. Il va changer tes pensées. He will change your mindset. Tu verras. And you will see. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Et Jésus. And Jesus. Il dit. He says. Dieu a envoyé son fils. God sent his son. Afin que celui qui va croire en lui. So that everyone believes in him. Qu'il ne périsse pas. He will not perish. Qu'il soit sauvé. He will be saved. Si tu crois aujourd'hui. If you believe today. Comme nous avons cru. Just as we. You'll be delivered. J'ai cru en 1981. I believe in 1981. À l'époque, at that time.
time. J'avais constamment mal à la tête. I was always having headache. J'étais petit. I was small. Quand j'avais mal à la tête. When I was having headache. Je grandissais avec. I was growing up with that. Ma mère avait toujours mal à la tête. My mother was also always sick. Quand j'étais dans un véhicule. When I was in a vehicle. Quand il y a les secousses. And when c'est comme si mon cerveau bougeait. It's as if my brain was shaking inside. Je donne ma vie à Jésus. I give my life to Jesus. Je ne savais même pas qu'il y a les guérisons. On m'avait dit si tu donnes la vie à Jésus, tu iras au ciel. Donc j'ai donné. I did not even know that there was healing included in it. They only told me if you give your life to Jesus, you will go to heaven. And I did. Après, after that, je constate que je secoue ma tête. I realized that I could shake my head. Il n'y a pas de douleur. And not feel any pain. Je suis guéri. I was healed. Acclamez pour Jésus Christ. Let's clap for Jesus. Jésus s'occupe de l'être humain. Jesus takes care of the entire tout ce qui peut troubler ta vie. All that which can trouble your life. Même si tu es à l'école. Even if you are in school. Pour donner le succès. But for to have to be successful. Jésus donne le succès. Jesus grants success. Quand on me prêchait l'évangile. When they were preaching the gospel to me. J'avais peur. I was afraid. J'ai dit, quelle est cette vie? I said, but what is this kind of life? On dit que je vais vivre sans tricher. He said, I'm going to live without cheating. Est-ce que c'est possible? They said it's possible. On m'a prêché l'évangile de février à septembre. They preached the gospel to me from February to September. Ce n'est qu'en septembre. It's only in September que j'ai pris l'engagement. That I took the decision. Qu'est-ce que je constate? What did I notice? Je ne triche pas. That I wasn't cheating any longer. Je comprends les cours. I understood the lessons. Je compose. I wrote the exams. J'ai le succès. And I was successful. Sans tricher. Without cheating. Depuis que j'ai cru. Since from what I believe. Plus de tricherie. No more cheating. Un jour, je n'ai pas étudié. One day I didn't study. Et je devais aller au lycée. And I was to go to the high school. Je me suis mis à genoux. I knelt down. J'ai demandé pardon à Dieu. I told God I'm sorry. Parce que je n'ai pas étudié. Because I didn't study. Je savais que si je n'étudie pas. I knew that if I don't si study. Si je l'appelle au secours. And I call him to come to my help. Il ne va pas accepter. He will not accept it. Et il m'a conduit dans tous les concours. And he led me in all the exams. Il m'a gardé. He kept me. Quand j'ai cru. When I believed. J'ai fait ce qu'on appelle les restitutions que tu vas faire aussi. I carried out what we call restitution. That which you are going to do also. Tu répares les torts que tu as causés. You repair the harm that you caused others. J'avais falsifié mon âge. I falsified my birth certificate. Et ça m'a permis d'avoir le BPC. And this granted me to have my first school. Et de fréquenter à l'Est. My BPC, or O level, you can put it that way. À l'Est, c'était possible. In the East, it was possible. Au centre, sud, ce n'était pas possible. In the center region, it wasn't possible. Diminué, j'ai enlevé 2 ans. I reduced my age by 2 years. J'ai donné 10 000. Moi-même, c'est pas que j'ai envoyé quelqu'un. J'étais petit. I was small. J'ai donné 10 000 I gave 10,000 à un officier d'état civil. To the officer, the civil status registrar. Quand j'ai cru. When I believed. Le Saint-Esprit me dit, détruis ce document. The Holy Spirit told me, destroy this document. Ce n'est pas un homme qui m'a dit ça. It's not a man who told me. Après. After that, je suis allé demander à un autre lycéen qui était un frère. I went to ask from another student who was a brother. Il m'a dit non, ce n'est pas grave. He told me, this is not God. Je veux prier. But when I want to pray, Saint-Esprit me dit détruis. The Holy Spirit tells me, un jour, destroy it. One day, j'ai détruit. I tore it. Et la paix m'a rempli. And peace filled me. Alléluia. Amen. Je devais maintenant. Je ne savais pas qu'il y avait un obstacle qui m'attendait. I didn't know that there was an obstacle that was waiting for me. Arrivé en première. When I got to Loasik, on disait pour s'inscrire à l'université. For to register to study in university, il fallait avoir la copie certifiée du BPC, du probatoire. You need to have a certified true copy of the O levels, probatoire, BPC, probatoire, and. Et le relevé de bac du baccalauréat. And the result, the notes of the bac. Donc j'étais bloqué. I was blocked. Mais quand j'ai eu le bac l'année là. But the year I got my bac, le gouvernement a changé les textes. The government changed the rules or the law. Ils disent, I said, pour s'inscrire à l'université, for one to register at the university, il te faut, you need one.
l'attestation de la première inscription en classe de seconde. On a mis le VPC à côté. The attestation that you registered in lower sixth. They put aside the VPC. Et puis on donne la copie certifiée du probatoire. And then you bring the certified copy of your probatoire. Et le relevé de notes du baccalauréat. And you are the notes of your baccalauréat. Je me suis fait inscrire. I said, but Dieu a changé ça pour un seul homme. Le voilà devant vous. Look at it. God changed that law for one, just one person. And this is the person. Il faut le faire pour toi. Quand Jésus t'appelle, when Jesus comes, ne crains pas. Do not be afraid. Je te dis la vérité. I am telling you the truth. J'ai cru. I believed. Sans calculer. Without calculations. Et il fait changer les textes. And he got the text. L'année qui suivait. The year that followed. La sœur Colette qui est mon épouse aujourd'hui. Sister Colette, who is my wife today, allait passer pour l'université. Was going to the university. On a restauré la mesure. They restored the old text. Dès que je suis passé, on a restauré la mesure. The moment I crossed to the other side, they restored the former law. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Now, what am I trying to je veux say? Montrer que le travail, Jésus s'occupe du travail, de l'école, I want to show du corps, that de l'esprit, for work, Jesus de l'homme, tout entier, entire being. Jésus, quand il vient, Jesus, when he comes, il te restaure. He restores you. Il te restaure. He restores la restauration. And that restoration est une promesse de la rédemption. It's a promise of Dieu redemption. Ne peut pas sauver quelqu'un. Sans le restaurer. Without restoring him, la restauration te rétablit dans ta dignité d'homme. The restoration establishes the man in his human dignity. C'est là où il y a les guérisons. That is where healing is found. Les désenfoutements. The being set free from bewitchment. C'est là où tu sors de la prison. It is at that point that they remove you. La rédemption. Redemption est une promesse. It's a promise du salut. Of salvation. C'est un paquet. It's a package. C'est un paquet. It's a package. Et la restauration. A restoration. Quand Jésus te rachète, when Jesus redeems, il te restaure. He restores. C'est pour cette raison que Dieu dit, it is for that reason that si tu es mordu, if you have, tu as péché, if you have been beaten or you have sinned, les conséquences agissent déjà. And the consequences are at work already. Cours. Just run. Tu te tiens devant la croix. You stand before the cross. Tu regardes Jésus. And you gaze at Jesus. L'ordre revient dans ton être. Order is restored in your being. L'ordre revient. Order is restored. L'ordre revient. Order is restored. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu es venu, if you have come, c'est un homme qui t'a invité. It's a man who invited mais you. Ta présence ici, but your presence c'est Dieu qui t'a porté. It's God who carried you. Pour te déposer. For to place you there. Pour quel but? For one, pour que for tu écoutes son conseil. You hear, listen to his advice. Et que tu sois sauvé. And that you be saved. Que tu écoutes son conseil. Listen to his advice. Et que tu sois sauvé. And be saved. Que tu écoutes son conseil. Listen to his advice. Et que tu sois sauvé. And be saved. Quand j'ai commencé le travail, when I began to work, moi je n'ai pas chômé. I didn't go through unemployment. Et puis je n'ai pas traîné dans ce chef de bureau longtemps. And I didn't end at the chief of office for long. Bam. Je suis déjà chef de service. I'm already chief of service. Quelqu'un m'a demandé qui est ton parapluie. Somebody asked me, well, who dit, is your umbrella? J'ai dit, c'est Jésus. I told the person it's Jesus. Tu n'as pas besoin d'être franc-maçon ou rosicrucien. You don't need to be a Freemason or Jésus-Christ. Jesus Christ peut t'exalter. Can exalt you. Jésus-Christ peut t'exalter. Jesus Christ can exalt. Jésus peut te restaurer dans ta dignité. Jesus can restore you. Tu as into sans faire la sorcellerie. Without carrying out sorcery. J'ai connu ça. I knew I went through that. Parapluie. Who is your umbrella? D'abord, quand nous sommes sortis de l'école, je suis allé au village. First of all, when we came out of school, I went to the village. Au champ. To the farm. Les autres couraient dans les couloirs là. Others were running in all the corridors. Dans les bonnes entreprises. To look for good companies. Quand je reviens du champ, when I came back from the farm, je trouve que je suis au service des nouvelles de la CRTV. I found out that I have been employed at the radio. Là où on prépare le journal. When the news is prepared. Quand on dit que le président va parler le soir, là, moi j'ai la cassette sous mon aisselle, je marche. When they say the president is going to talk, to speak, address the nation, I have a cassette. Acclamation à Jésus-Christ. Clap to Jesus. Sans sorcellerie. Without any sorcery. Sans magie. Without Jésus corrupting. Jesus did it.
Jésus-Christ. Jesus Christ. Il est vivant. He is alive. Il dit, and he says, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, in the same way that Moses raised up the serpent in the desert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. The Son of God also must be raised afin up. Que quiconque croit en lui ne périsse point. So that whoever believes in him will not qu'il perish, ait la vie éternelle. But will have eternal élevé life. Élevé là, c'est la mort à la croix. Being raised there, it is dying on the cross. Élevé là, c'est la mort. That being raised is talking about dying on the cross. Et croire, and believing, ce n'est pas de conjuguer le verbe que je crois. Je it is not just to say I believe, I believe. C'est là le problème. That's where the problem is. Jacques chapitre 2, verset 19. James chapter 2, verse 19. Écoutez comment on croit. Listen to how one believes. Jacques 2, mon ami. James chapter 2, verse 19. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Continue. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Cher ami, dear friend, moi-même, avant, je croyais que j'étais un croyant. Before, I thought that I was a believer. Il a fallu du temps. There was need. I needed time. Pour que je comprenne there's need for me que to tous go les chemins ne mènent pas à Rome. That all the roads do not lead to Rome. Jésus dit, Jesus la parole de Dieu dit, the word of God says, tu dis partout que tu crois, c'est bien. You say everywhere that you are, you believe. Mais est-ce que tu marches dans la vérité? But are you walking in the truth? Si tu crois, if you believe, et que tu pratiques le mensonge, and you practice la foi devient vaine. Your faith becomes vain. Really. Take it over. Écoute très bien. Now listen very carefully. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. You are correct. Les démons le croient aussi. Mais les démons croient comme tu crois là. But demons do believe as you do. Une croyance. A belief that believing. Sans obéissance à Dieu. Without obedience to God. C'est ça qu'on appelle la foi des démons. Tu as la foi des démons. It's what we call the faith of demons. You have the faith of demons. Tu ne peux pas être sauvé. You can never. You cannot be saved. Il faut faire comme Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? You must have to do like what Abraham did. What did he do? Abraham, notre père. Abraham, notre père. Abraham, our father. Ne fut-il pas justifié par les œuvres? A été justifié parce qu'il croyait et posait des actes. Was justified because he believed and he carried out the deeds. La parole de Dieu dit qu'un jour Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils. Il the word of God tells us, one day God told him to sacrifice his son and he obeyed. Sans discuter. Without a, il a soulevé la main. He raised up his hand pour couper l'enfant. To cut his son. Et Dieu lui a dit, arrête. And God told him, stop now. Je sais maintenant que tu me crains. Now I know that you fear me. Et toi tu es là. And there you are. Tu bois la bière, tu you bois la Guinness, beer, tu you, bois le ha, le you drink the ha, you take ha. Et tu dis, je crois. And you say, I believe. Jésus a multiplié le vin. Jesus multiplied wine. Jesus. Et tu dis, je crois, je suis baptisé. I believe I'm baptized. Je suis confirmé. I've been confirmed. La foi, faith, sans les œuvres, without works, est inutile. Is useless. Ce soir, tonight, tu es invité. You have been invited. À entrer dans la vraie foi. To enter into faith that is true. Tu es invité ce soir. You have been invited tonight. À entrer dans la vraie foi. To enter into faith that is en true. En prenant tous tes problèmes. In taking all your problems, et en venant te prosterner devant Jésus, and coming and kneeling down before Jesus, je t'ai déjà montré, I've shown you, que si c'est un problème de maladie, if it's a matter of sickness, Jésus va te guérir. Jesus is going to heal you. Jésus va te guérir. Jesus is going to heal you. Il y avait une jeune fille. There was a young girl. Elle avait un cancer de sein. She was suffering from cancer of the brain. Un jour, one day, elle voit le Seigneur Jésus en vision. She saw
Did the Lord just in a vision? Opéré. Who operated the breast? Dans son sein, il y avait des boîtes sales vides comme les pneus brûlés. And in his breast, in our breast, la spirituellement, c'est d'autres objets. Empty bottles and. Quand elle s'est réveillée, when she got up, guérie jusqu'aujourd'hui. She was here till today. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Dis amen. Say amen. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Ça va t'arriver. Ne t'attache pas aux mensonges pour rien. Do not remain in lies for just no ne reason. Dis pas que si je crois, je vais manger quoi. Don't say to yourself, if I believe, what am I going to eat? Tu verras. You will see. C'est ça qu'on yourself. Appelle les miracles. That's what we call miracles. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Tu auras ce qu'on appelle le secours de l'Éternel. You will have what we call help, the help of the Lord. Tu es là. You are there. Tu ne sais pas d'où ça va venir. You don't know where it's going to come. Mais ça vient. But it will come. Paul dit. Paul says, nous sommes regardés comme n'ayant rien. We are considered as having nothing. Possédant toutes choses. But possessing everything. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Ça va t'arriver. It's going to happen to you. Et avant la prière de ce soir. But before the prayers of this night. Si tu es décidé, if you have decided que tu vas venir vers Christ, that you're going to come to Christ. Déposer tes problèmes à ses pieds. Dépose tes problèmes à ses pieds. Si tu veux le recevoir, if you want to receive him, tu vas le faire maintenant. You are going to do that now. Avant qu'on ne commence la prière de bénédiction. Before we begin, we start to the prayers of blessings. Si tu refuses Jésus, if you refuse Jesus, tu peux déjà rentrer chez toi. You can already stand up and go home. Parce que pour nous, because for nous us, ne sommes rien sans Jésus. We are nothing without Jesus. Et Jésus ne nous a pas appris qu'on peut aller quelque part sans lui. And Jesus has not told us that we can go to anywhere without him. Mais il a dit, but he said, si quelqu'un vous écoute, if anyone listens to you, c'est qu'il m'écoute. Then he is listening to si me. Si tu écoutes ce que je te dis ce soir, listen to what I'm telling you tonight. Jésus va écrire que tu as écouté ses conseils. Jesus will record that you listen to his advice. Et tu seras béni. And you'll be blessed. Tu seras béni. You'll be blessed. Si tu es prêt, if you are ready, à entrer dans cette nouvelle relation avec Jésus. To enter into this new relationship with Jesus. Si tu crois que c'est lui qui est sur la croix. If you believe that he's the one on the cross. Et tu vas te tenir devant lui. And you're going to stand before him. Et tu regardes comme les enfants d'Israël regardaient dans le désert. And you gaze as the children of Israel gazed in the desert. Si tu crois, if you believe, comme les Abraham, les Moïse et les autres. As Abraham and Moses and the others. C'est-à-dire tu crois. It makes you believe. Et tu obéis parce que tu crois. And you obey because you believe. Tu ne triches pas. You don't cheat. Les médisances, les calomnies, tu arrêtes. Backbiting and all gossips, you stop. Le vol, theft or stealing, tu arrêtes. You stop. La ruse et les astuces, ruse and all kinds of tricks, tu arrêtes. You stop. Si tu arrêtes, if you stop, le salut entre chez toi. If you stop, all this salvation will come into you. Dis amen. Say amen. Il dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. So the same way that Moses raised up the serpent in the desert. Il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. The son of man must also be raised. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. So that whoever believes in him will not perish. Le Seigneur t'invite ce soir. The Lord is here tonight. À venir au pied de la croix. À venir au pied de sa croix. To come at the foot of his cross. Et de lever tes yeux. And raise up your eyes. Et de le regarder. And gaze at him. En d'autres termes, ça veut dire. In other words, it means. Il t'invite à croire en lui. He's inviting you to believe in him. Il veut devenir ton sauveur et ton Seigneur. He wants to become your Savior and your Lord. Et ton histoire va changer. And your story will change. Ton histoire va changer. Your story will change. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. In your body, in your soul, and in your spirit. Ton histoire va changer. Your story will change. Acclamation à Jésus-Christ. Acclame pour Jésus. Tu vas passer par la vraie repentance. You are going to go through
true repentance. Et Jésus va pardonner tous tes péchés. And Jesus will forgive all your sins. Ton nom sera écrit dans son livre. Your name will be written in his book. Si tu es d'accord. If you are in agreement. Si tu es d'accord. If you are in agreement. Lève ta main. Raise up your hand. Levez-vous, vous venez ici. Stand up, all of you, and come. Si and tu veux. If you want. Regardez ce Jésus à la croix. To look at this Jesus at the cross. On the lève cross. Toi et viens. Stand up and come. Venez, venez ici. Please come, come right here. Oui, montez, montez. Yes, canettes. Come, come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Non, acclamez très fort. Please clap and much louder. Lève-toi et viens. Lève-toi stand up et and viens. Come. Stand up and come. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert. In the same way that Moses raised up the serpent in the desert. Et pour que le fils de l'homme soit élevé. The son of man must be raised up. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. So whoever believes in him will not perish. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Stand up, stand up, stand up, stand up. Lève-toi, 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 lève-toi. Stand up, stand up, stand up. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come, stand up and come. Tous, all, au pied de la croix, at the foot of the cross, et regarde sur Jésus. And they gaze, you gaze at Jesus. Tous, all, au pied de la croix, at the foot of the cross, et regarde sur Jésus. And look at Jesus. Tous, all, au pied de la croix, at the foot of the cross, et regarde sur Jésus. And looking at Jesus. La foi, faith, sans les œuvres, without works, est inutile. It's useless. Tout ce que tu as fait, all that you have done, jusqu'à présent, this far, est inutile. It's useless. Tu dois commencer ta vie à nouveau. You must have to be start your life anew. Une nouvelle vie avec Jésus. Une nouvelle vie avec Jésus. A new life with Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Ça te coûte une seule chose. It will cost you just one thing. Tu abandonnes ton péché. That you abandon your sin. Et la grâce du Seigneur te sera accordée. And the grace of the Lord will be granted you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, acclamez très fort. Même si c'est. And please clap louder, even if it's one thing. C'est une grande bataille. Lève-toi et viens rapidement. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Là où tu es assis. Where you are seated. C'est Jésus lui-même qui t'a amené ici. It is Jesus himself who brought you here. Ne viens pas perdre la bataille au pied de la croix. Don't come and lose the battle at the foot of the cross. À cause du péché. Because of sin. Il y a ce que la Bible appelle la séduction du péché. Il y a ce que la Bible appelle la séduction du péché. That is what the Bible calls
seduction by being seduced by sin. Ne laisse pas le péché te séduire. Don't allow sin to seduce you. Le péché te dit. Sin tells you. Ne m'abandonne pas. Don't abandon me. Ne m'abandonne pas. Do not abandon me. Ne m'abandonne pas. Do not abandon me. Ne m'abandonne pas. Do not abandon me. Le péché te dit. Sin tells you. Ne me quitte pas. Ne me quitte don't pas. Leave ne me. Don't pas. Leave me. Don't leave me. Le péché te dit. Sin tells you. Ne m'abandonne pas. Do not abandon me. Et toi aussi tu écoutes. And you listen. La séduction du péché. Being seduced by sin. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Et le Seigneur te regarde. And the Lord is looking at you. Le Seigneur te regarde. The Lord is looking at you. Il dit, regarde celui-ci. He said, look at that one. Il look at veut, this one. Il veut la guérison. He wants healing. Mais il ne peut pas me donner sa vie. But he will not give me his life. Il veut la guérison. He wants healing. Mais il ne veut pas me donner sa but vie. But he doesn't want to give me his life. Le Seigneur dit, regarde celui-ci. The Lord says, look at this one. Il veut le secours. He wants my help. Mais il ne peut pas me donner sa vie. But he doesn't want to give me his life. Le Seigneur te regarde. The Lord is looking at you. Il regarde celle-ci. He said, look at this one. Il veut le secours. He wants help. Mais il ne peut pas me donner sa vie. But he doesn't want to give lève-toi, his life. Tu viens. Stand up and come. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi, tu viens. Stand up and au come. Nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Ne reste pas assis. Do not remain seated, please. On peut arrêter. We may stop now et continuer sans toi. And continue without you. Mais tu vas perdre. And you'll be the loser. On peut continuer sans toi. We can continue. We can move ahead without mais you. Mais c'est toi qui vas perdre. But you will be the loser. On peut arrêter. We can stop et continuer sans toi. And continue without you. Mais tu vas perdre. But you will lose. Ceux qui n'avaient pas regardé le serpent. Those who did not look at the serpent. Étaient morts. Were they died. Ceux qui regardaient le serpent. Those who looked at the serpent. Étaient vivants. Lived. Et ils étaient bénis. And they were blessed. Lève-toi. Stand up. Va devant. And move ahead. Lève-toi. Stand up. Va devant. And move ahead. Lève-toi. Stand up. Va devant. And go ahead. Lève-toi. Stand up. Va devant. And go ahead. Lève-toi. Stand up. Va devant. And move ahead. Si une voix te dit ne va pas. If a voice tells you not to go. C'est le diable. It is the devil. Là où tu es assis. Where you are sitting. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire ne va pas. The Holy Spirit can never tell you not to go. Rassemble ton énergie. Gather your energy, your strength. Lève-toi. And stand up. Et va devant. And go forward. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Rassemble tes forces. Gather your strength. Lève-toi. Stand up. Et va devant. And go ahead. Lève-toi. Stand up. Et va devant. And go ahead. Si tu étais en Christ, if you were once in Christ, et que tu es tombé, and you fell, et le diable est content, and the devil was happy, reviens, please come back, reviens, come back, reviens, come back, reviens, come back, lève-toi, tu reviens, stand up and come back, Michel a dit, mon ennemi. Mika said, my enemy, ne te réjouis pas mon sujet. Do not rejoice because I've fallen. Si je suis tombé, if I've fallen, je vais me relever. I can stand up. Si je suis assis dans les ténèbres, if I'm seated in darkness, l'Éternel va m'éclairer. The Lord will enlighten me. Dis à ton ennemi, tell your enemy, je retourne dans la maison. I'm going back to the Father's house. Et lève-toi, tu viens. And stand up and come.
Je vais laisser le Saint-Esprit travailler. I'm going to allow the Holy Spirit to si work. Tu entends une voix qui te dit, if you hear a voice telling you, lève-toi, va devant. Stand up and go forward. C'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Obéis. Please obey. Si tu entends une voix qui te dit, lève-toi, va devant. If you hear a voice telling you, stand up and go forward. It is obéis. The Holy Spirit. Just obey. C'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Obéis. Obey. Ne dis pas, je suis venu prier. Do not say, I came here just to pray. Ce n'est pas mon église. It's not my, this is not my church. Lis pour nous, Osée 13, verset 9. Read Osée chapter 13, verse 9. Si une voix te dit lève-toi, va devant. Lève-toi. If your voice tells you stand up and go forward, do so. L'esprit est en train de parler. The spirit is speaking. À quelqu'un. Lis. Read. Osée 13, verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Tu es venu. You came parce que tu as un problème. Because you have a problem. Jésus te dit. But Jesus is telling you. Ce n'est pas ce problème là. It is not that problem. Qui va te détruire. That will destroy you. Si tu es détruit demain, if you are destroyed tomorrow, ça sera parce que tu as refusé Jésus. It will be because you refused Jesus. Ce qui cause ta ruine. That which is the cause of your ruin. C'est que tu es contre moi. It's because you are against me. Moi qui peux te secourir. I who can help you. Tu veux l'aide. You want help sans laisser le péché. Without abandoning sin. Ce n'est pas possible. This is not possible. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Dans bientôt, on va prier. In a while from now, we're going to pray. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Rapidement. Rapidly. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Rapidement. Rapidly. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Rapidement. Rapidly. Si tu es un frère, lève la main droite. If you are a brother, raise up your right hand. Dis Satan. Say Satan. Dans cette affaire. In this matter. Qui concerne le salut des hommes. That concerns the salvation of men. C'est nous que Jésus a envoyé. We are the ones Jesus has sent. Prêcher l'évangile. To preach the gospel. Et faire des disciples. And make disciples. Et dans cette bataille. And in this battle. C'est nous qui sommes les vainqueurs. We are the victors. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Va-t'en. Be gone. Nous te chassons. We chase you away. Nous arrachons toute âme. We snatch every soul from you. Que tu veux garder captive. That we want to keep in captivity. Nous te chassons. We cast out. Nous brisons tous les liens. We break all the ties. Et nous récupérons les âmes que tu veux garder. And we recover the souls we want to keep. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Lève-toi et viens. Stand up and come. Cette prière a libéré. This prayer has set you free. Lève-toi, tu viens. Set you free. Stand up now and come. Oui, acclamez très fort. Yes, clap much louder. Lève-toi et viens. Stand up and come. Elle n'est pas la seule qui a été libérée. She is not the only one who has been set free. Que les autres viennent. May the others come. Que les autres viennent rapidement. Let the others come and quick. Si tu es un frère, lève la main droite. If you are a brother, raise up your right hand. Dit Satan. C'est Satan. Nous te rappelons. We remind you que le Seigneur nous a envoyés dans le monde. That the Lord has sent us into the world.
prêcher l'évangile. To preach the gospel. Et faire des disciples. And make disciples. C'est à nous. We are the ones. Que le Seigneur a confié cette tâche. That the Lord has given this task. To whom the Lord has given this task. Il nous a bénis. And he has blessed us. Avec la victoire éternelle sur toi. With eternal victory over you. Va-t'en. Be gone. Quitte cette salle. Leave this hall. Nous t'arrachons toute âme. We snatch all every soul. Que tu veux garder from you that want to keep in captivity. Nous arrachons toute âme. We snatch every soul from you. Que tu veux garder captive. That want to keep in captivity. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dans 5 minutes. In 5 minutes. On va arrêter. We will stop. Si tu dois venir. If you must have to come. Viens maintenant. Please come now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you must have to come, come now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you must have to come, do so now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you must have to come, come now. Si tu dois venir, viens maintenant. You must have to come. Come now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you must have to come, do so now. Si tu dois venir, viens maintenant. If you must have to come, do so now. Viens maintenant. Come now. Viens maintenant. Come now. Viens maintenant. Come now. Si tu dois venir, if you must have to come, viens maintenant et promptement. Come now and promptly. Si tu dois venir, if you must have to come, si tu veux venir, if you want to come, viens maintenant. Come now et promptement. And promptly. Si tu dois venir, if you must have to come, viens maintenant. Come now. Et viens promptement. And come promptly. Viens maintenant. Come now. Et viens promptement. And come promptly. Viens maintenant. Come now. Et viens promptement. And come promptly. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Viens maintenant. Come now. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Écoute. Now listen. Un homme normal, on ne doit pas gronder un homme normal. One must not shout at a normal person. Mais si tu veux qu'on crie pour que tu te lèves, but you want us, comme, you si want on, comme si tu étais un démon, on va le faire. If you want us to shout for you to stand up as if you were a demon, we will do so. Viens librement. Just come freely et joyeusement and joyfully maintenant. Now. Viens joyeusement et librement. Il y a quelqu'un qui doit venir. Come joyfully and freely. There is somebody, someone who must have to come. Quand je veux arrêter, when I want to stop, le Saint-Esprit me dit, attends. The Holy Spirit tells me, wait. S'il te plaît, viens. Please come. Je ne sais pas ce qui te retient. I don't know what is holding you back. Mais viens. But come.
Lève-toi et viens. Please stand up and come. On va arrêter. We are going to stop. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Il n'est pas le seul. He's not the only one. Il n'est pas le seul. On t'attend. We are waiting for you. He's not the only one. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Is there someone in this hall? À qui le Saint-Esprit est en train de dire, to whom the Holy Spirit is saying, il faut intégrer la CMCI. You must join CMFI. Il est un croyant. He's a believer. Quand il a vu, when he saw, qu'il a entendu, and he heard, il porte sur son esprit le témoignage de devenir membre de la CMC. I ask in the spirit the testimony of becoming a member of CMFI. Si c'est toi, lève la main. If you are the one, take up your hand. Viens. Come. Viens. Please come. Qui autre? Who else? Qui autre? Who else? C'est Dieu qui les envoie. Dieu leur dit allez là-bas. It is God who is telling them go there. Et ils obéissent. And they simply obey. La parole de Dieu dit, the word of God says, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. I will give you shepherds according to my heart. Et ils vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. And they will shepherd you with wisdom. Oui, viens. Yes, please come. Vous venez. You are coming. Pour être une bénédiction. To become a blessing. Nous aussi, nous serons pour vous. Une bénédiction. And we too will be for you a blessing. Vous n'êtes pas des païens. Vous avez. You are not unbelievers. Vous voulez. You want toucher la vie de Dieu. To touch the life of God. Et vous avez prié un jour. And you prayed one day. Et Dieu pour exaucer. And for God to answer you. Vous envoie vers un peuple qui a les mêmes aspirations. He will send you to a people who have this. Vous serez bénis. This calling, you will be blessed. Pour certains, for some of you, vous allez même reprendre tout à zéro. You have to start all anew. Parce que vous ne voulez pas les à peu près. Because you don't want something that is just almost. Oui, ils doivent être nombreux. Dieu m'avait dit de poser cette question-là. God asked me to ask this question. Le Seigneur m'avait dit qu'il va envoyer des gens de cette manière. The Lord told me that I was going to send people in this way. Non, c'est sa volonté qui est en train de s'accomplir. It is his will that's being accomplished here. Yeah?
Je ne veux pas ceux qui s'amusent, ceux qui ont entendu le Saint-Esprit leur dire. I'm talking about those là-bas. Who have heard the Holy Spirit telling them, move forward. On ne veut pas des gens qui ne veulent rien. We don't want people who don't want anything. Paul a demandé à Jésus, que dois-je faire? Paul asked Jesus, what must I do? Et Dieu t'a dit, va chez eux. And God told you, go to them. Certains peuvent rester assis par résistance. Some may remain seated because they are resisting. J'étais dans une ville en Côte d'Ivoire. I was in a city in Ivory Coast. Dès que je suis monté dans la voiture, the moment I entered the car, quelqu'un me dit que c'est de moi qu'il s'agissait. Someone said to me, it is me. What you're saying there is about all about me. Il dit j'avais fui la CMC. That I ran away from CMFI. À cause du baptême. Because of baptism. Maintenant je veux. But now I want. Acclamation. A clap. Qui autre? Who else? Qui autre? Who else? Maintenant. Now. Le dernier appel. They have those who are. Toi qui résistes. You who is resisting. Viens. Come. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Il y a une personne qui doit venir. There is someone, one person who must have to come. Une personne. One person. Une personne. One person. Une personne. Une personne. One person. One person. Acclamation, Jésus. A clap. Levez les mains. Raise up your hands. Dites Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Priez fort. Aloud. Ne priez pas dans le cœur. Don't pray in your heart. Il y a des démons. There are demons. Qui doivent partir, doivent vous quitter. That must have to leave you. Donc parlez pour que vos paroles soient entendues par les anges, par Dieu, par ses anges et même par vos ennemis. Speak then, say then in a way that your voice is heard by the angels of God and even by the enemy. Dis Seigneur. Say Lord. Tu es vraiment le Seigneur. You are really the Lord. Tu es mort à la croix pour moi. You died on the cross for me. Et tu veux que je croie. And you want me to believe. Pour être béni. For to be blessed. J'ai dit oui. I have said yes. J'ai dit oui. I said yes. Personne ne m'y oblige. Personne. No one is forcing me. No one. Je le fais volontairement et consciemment. I'm doing this voluntarily and consciously. Efface tous mes péchés. Blot out all my sins. Lave-moi dans le sang. Wash me in the blood. Purifie-moi. Purify me. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Les pasteurs vont venir vous chercher. The pastors will come and get you. Pour quelques minutes de conseil. For some, vous revenez pour la prière. A few minutes of counseling and you will come back for prayer. Vous restez concentrés parce qu'on va écouter quelques témoignages en attendant. Please stay focused because we'll listen to some testimonies while waiting.
Je m'appelle Biegen Ernestine. Avant-hier, quand on a brisé les liens, et je suis allée dormir. Je me retrouve dans une forêt, je ne sais pas où, mais j'étais dans une forêt, il y avait les serpents là, de gauche à droite. Et je me suis retournée, j'ai vu le serpent et j'ai vu la machette. Je voulais toucher, j'ai vu comment le serpent est même mort. J'ai trouvé notre premier fils qui était là en train de pleurer. Maman, 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 sauve-moi. J'ai vu comment le serpent est sur lui. J'ai justement ramassé la machette. Je veux partir. La route est ouverte devant moi et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve-nous. J'ai vu une ambulance qui est descendue et c'est venu comme ça, ça a pris l'enfant là et je n'ai plus vu où je partais et je me suis réveillée et c'est où j'ai vu une lumière parue, je suis partie. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je me nomme Yimgangachu Elvie d'Angeline, de Yaoundé. En partant de Yaoundé, j'étais malade. Et j'ai dit, Seigneur, je vais à la croisade, je ne prends plus les comprimés. Et j'ai mis les comprimés de côté. Cependant, j'avais une douleur qui était là, au niveau de ma tête, je croyais que c'était les nerfs. C'est quand j'arrive ici le premier jour, que je découvre que j'ai mal à l'oreille. Le deuxième jour de la croisade, quand on a conduit sur la guérison, j'ai prié et cette douleur est partie. Quand on a demandé de venir témoigner, je ne me suis pas levée. Je ne me suis pas levée pourquoi? Parce que la douleur était partie, mais j'avais un poids, un obstacle qui était encore là et qui faisait un peu comme un boudonnement. C'est resté. Le lendemain, quand la douleur voulait revenir, j'ai jugé. J'ai dit que toi, douleur, tu as été vaincu hier, donc tu n'as pas de place à mes oreilles. Mais cette plaque-là était là. Ce matin, quand on a fait le brisement de lien, bon, je ne me suis pas rendu compte. C'est quand on était là à la croisade que je commence à toucher mes oreilles. Je ne sens plus ce blocage-là, pas de boudonnement. Donc, je voudrais bénir le Seigneur pour cette guérison qu'il m'a accordée ici. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Moi, c'est Madame Chatché Ariel. Il y a de cela, depuis la croisade, je viens toujours avec mon mari. Il y a de cela 3 ans, mon mari a perdu le travail. Et chaque jour, depuis vendredi, je viens avec mon mari. Et hier, quand on priait, on faisait les brisements des liens. Je me suis vue une fois dans la concession familiale, comme mon beau-père était notable au village. Je me suis retrouvée là-bas. J'ai vu l'image, mon mari portait quelqu'un derrière le dos en esprit, toute vêtue de noir, avec les cornes. Il n'arrivait pas, mon mari n'arrivait pas à marcher, donc il marchait. Donc, il marchait comme il porte quelqu'un dans le dos, mais il n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à faire les pas. Et directement, quand on brisait, j'ai commencé à prier parce que j'ai vu cette personne tellement accrochée à mon mari qu'il n'arrivait pas, il ne parvenait pas à marcher et il avait de mal à marcher. J'ai commencé à prier et du coup, quand on priait, je brisais, l'esprit s'est retrouvé ici, directement, il a pris feu. Ce soir, si je ne suis pas avec mon mari, c'est parce qu'on lui est rappelé du travail. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et deuxièmement, avant-hier aussi, avec les brisements des liens, quand je priais, subitement, j'ai vu 2 personnes. Quand je parlais de ma famille maternelle, à l'est et au sud, 2 personnes en esprit ici qui m'ont remis mon passeport et mon visa pour mon voyage. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Amen.
Moi, je me nomme Meigne, épouse Kenembo, Sylvie. Mon témoignage, c'est ceci. Avant-hier, quand le pasteur Meigne a prié, il parlait de l'envoûtement et la pauvreté. Bon, avant-hier, quand je suis rentrée, arrivée à la maison, j'ai fait un rêve où j'ai d'abord vu le frère Antoine. Le frère Antoine, quand j'ai vu le frère Antoine, on entendait dire qu'on veut affecter le frère Antoine ailleurs. Et puis, il entendait dire que non, moi, je ne veux pas qu'on affecte le frère Antoine ailleurs. Et c'est comme ça que on m'a donc fait comprendre que le frère Antoine, maintenant, va rester à Douala, il n'a plus aller ailleurs. Et j'étais tellement contente. Et puis, on me fait comprendre que le frère Antoine, maintenant, est le chef d'une entreprise pour les Nigériens. Bon, c'est comme ça qu'on me dit comme ça. Et puis après, maintenant, je me vois là où j'ai mon salon de coiffure. Donc, tellement, partout où je passe là-bas, on vient toujours chaque fois chier. C'est comme ça que moi, je ne comprends pas. J'ai les clients, après, il n'y a plus, je ne comprends rien. Et c'est comme ça que je vois ma bailleresse qui est nigériane. Donc, quand j'ai vu le frère Antoine comme ça, on disait que c'est lui le chef qui s'est établi là-bas, c'est lui qui les commande. Et c'est comme ça que j'ai donc vu la femme en question, parce que parfois, elle vient, elle filme mon salon de coiffure, elle envoie les gens, je ne savais pas pourquoi elle faisait tout ça. Bon, c'est comme ça que je la vois, elle me donne, elle vient d'abord, elle dit qu'elle restitue, elle restitue mon argent. Elle me donne d'abord 20 000 francs. Je prends ce 20 000, je mets en haut de mon salon de coiffure. Après, elle dit que mais les 20 000 francs qu'elle m'a donné, là, je suis allée chercher, je ne vois pas, c'est passé où. Et subitement, je la vois encore, elle revient maintenant étant farouche, elle était fâchée. Elle a retiré maintenant, elle a retiré 4 billets de 10 000 francs. Elle a dit que je donne tout ton argent, mais libère ma maison. Je ne veux plus te voir ici. Donc, c'est la victoire. J'ai juste compris que le Seigneur m'a délivré de la pauvreté et de l'envoûtement. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, notre Père, notre Dieu, parce que tu m'as délivré de l'envoûtement et de la pauvreté. Gloire et louange à toi, notre Père, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Jomo Ebenezer. Je vais témoigner par rapport à la prière d'hier que le pasteur Michael nous a conduit. Hier, nous étions en train de prier. Le pasteur Michael nous a conduit à prier pour que la puissance de Dieu descende à nous et se produise comme un tremblement de terre et que les relations soient restaurées. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai eu une vision qu'il y avait les femmes alignées, les femmes sorcières alignées comme ça dans l'église qui avaient arrêté les mains. Et pendant qu'on était en train de prier, elles étaient en train de vibrer, en train de résister. Mais après, le Seigneur les a déjà tous balayés, si bien qu'ils ont juste pris la route pour sortir. À Jésus-Christ. Et les enfants de Dieu envahissaient les lieux. Et j'ai aussi vu un frère qui courait, qui avait une relation brisée dans l'église. Subitement, il est sorti hors du portail, il courait, et même la personne avec qui il avait eu la relation brisée, courait aussi, ils se sont rencontrés quelque part dehors là, pour s'embrasser. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième prière qu'on a effectuée hier, c'était par rapport à la guérison des cœurs. Le Seigneur m'a montré une vision comment il y avait un cœur placé, il y avait plusieurs boules qui étaient en train de circuler. Il y avait les boules noires et les boules blanches. Mais les boules noires traversaient juste eux. Une boule blanche est venue se saisir du cœur là, et les autres boules noires ne faisaient que traverser. Une deuxième boule blanche est venue encore se saisir du cœur, et les autres boules blanches traversaient qu'à distance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur m'a visité le deuxième jour de la campagne. Je rends grâce au Seigneur. Parce que ce jour-là,
Mon nom c'est Kenny Sandrine, de l'église de Douala. Ce jour-là, j'étais assise là-bas, pendant que le pasteur priait, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a eu la visitation de, du dos se redresser. J'ai saisi avec la foi que c'est moi. Et je me suis assise normalement. Parce que dorénavant, je m'assois comme ça. Le ventre est devant, le dos est tordu. On m'avait prescrit la kinésithérapie. J'ai eu la foi, mais je n'ai pas compris un changement. Mais le lendemain, quand nous sommes venus au programme des étudiants avec les enseignants, à un moment, j'ai eu la diarrhée. Pourtant, je suis dans le jeûne depuis le début du programme. J'ai eu une diarrhée, je n'ai rien compris. Je suis allé aux toilettes. Je suis resté longtemps, ce qui sortait dans mon ventre m'effrayait. Juste. Après, quand j'ai fini de me lever, les pieds sont faibles. Je suis resté encore dans la salle longtemps avant de pouvoir sortir. Quand on est allé pour faire les répétitions, je n'ai pas pu. La salle dit, alors ça va aller. Le Seigneur va pas faire ta guérison. Je suis revenu encore courir aux toilettes. Quand je reviens encore, je vois, je suis trop faible. Je dis que non, il faut que je rompe le jeûne. Ça ne donne pas, je suis trop faible, même pas dans le mystère. Mais au moment où je vais vers l'assiette, l'Esprit me dit que tu veux gâter tout. Si tu manges là, tu es fini, tu ne vas même pas guérir totalement. Le hier soir, quand on priait, j'ai compris la douleur ici. Maintenant, mon dos est dressé. Je suis droite. Toute la masse là est finie. Je rends grâce au Seigneur. Offrons l'acclamation à Jésus-Christ. Acclame. Tu dis merci. Gloire à Dieu. Amen. Depuis le premier jour de la croisade, j'ai assisté le premier jour, deuxième jour. Dimanche, le deuxième jour, je ne me sentais pas bien, mais j'ai forcé, je suis venue. Dimanche, ça n'allait pas, je suis restée à la maison. Mais j'ai dit au Seigneur que même comme je ne suis pas venue, je veux suivre ça en ligne. Et je veux suivre comme ceux qui sont dans la salle. Bon, j'étais concentrée à la radio. Quand le frère Félix a lancé, j'étais là, donc avec mon cahier et tout. On a prié. Tous les sujets de prière, je ne ratais pas. Mais quand on a commencé à prier, le frère a commencé à prier, il a mis la main sur la tête, j'étais concentrée. Bon, la nuit, j'ai eu une révélation. Comment j'étais dans une salle. On versait les nappes. Bon, je prenais tout juste les légers. Il y avait les bons, mais je prenais que les mauvais. Entre-temps, maintenant, me voilà, je sors. J'avais une lourde chasse, une bassine sur la tête avec ma soeur. Il dit, pardon, tu pars comme ça, aide-moi. Elle dit, pardon, reste là-bas avec tes charges. J'avais une lourde charge à la tête. J'étais au niveau de 8e Dakar. J'ai vu une dame qui passait, elle dit, pardon, aide-moi à me décharger. La bassine ici me pèse tellement que, qu'est-ce qu'il y a dans la bassine ici? Il y a un monsieur qui est venu avec une dame, j'ai dit, aidez-moi. J'ai soulevé la bassine. Ils m'ont aidé à déposer. C'était le gravier plein dans la bassine que je portais. J'ai dit, Seigneur, donc c'est le gravier que je portais sur la tête comme ça. Seigneur, merci parce que tu m'as déchargé. Donc j'étais esclave. Et le jour où on priait de l'esclavage, le Seigneur m'a délivré de l'esclavage. Alléluia. La charge que j'avais sur la tête. Gloire à Dieu. Éclat. Qui autre? Who else? Le Seigneur a travaillé, venez le glorifier. The Lord has done his work, come and give him the glory. Vous savez, pendant les témoignages, il y a les délivrances. You know, during testimonies like this, there is deliverance as well that is going on. Nos amis du sous-sol reviennent. Our brethren at the basement are coming back. Donc nous allons, c'est un témoignage. Marche rapidement parce que. Gloire à Dieu. Amen. Je m'appelle Fotso Jules. Je suis venu ici à la campagne et lorsqu'on a dit que s'il y a un frère qui a rétrogradé, qu'il vienne ici devant. Moi, je suis venu devant et après, on a prié. Je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai fait un rêve. Comment je partais chez un ancien client et eux étaient dans la barrière avec les anciens patrons, eux mangeaient. Moi maintenant je suis arrivé, il y avait beaucoup de gens qui étaient couchés à l'extérieur de la barrière. Donc ils venaient tous dormir là à l'extérieur. Et moi je savais ce jour-là, le sommeil ne m'a pas pris. Non, je dirais seulement le témoignage. Oui, donc mon témoignage c'est que quand le sommeil ne m'a pas pris comme ça et
On a dit que ton cochon est là-bas à l'extérieur. On a pris dans l'eau. À suppression, on a pompé. Et je me suis retrouvé. Donc j'ai volé de l'endroit. Et après, je suis sorti de ce rêve. Et moi, j'ai compris que j'étais délivré. Donc j'étais resté captif par les anciens gens. Donc je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Moi, c'est le frère Lionel Njana. J'ai pour faisant des disciples le frère Bodo Bikele Robert. Hier, j'ai été délivré de la phobie des hauteurs parce que j'avais un problème. Quand je montais, peut-être que si je prenais les escaliers là, pour peut-être partir au niveau, à l'étage au niveau 3, je n'arrivais pas, j'avais peur. Donc, c'était comme si le sol devait s'écrouler avec moi. Partout où j'allais, même, j'avais même ce problème que même quand je montais dans les bus de 70 places là, quand le bus roulait, j'avais la sensation que le bus devait se renverser avec moi. Même les ponts, quand je traversais un pont, c'était la même chose. Donc hier, quand je suis arrivé à la croisade, on m'a fait comprendre qu'il était là-bas. Je suis monté et j'ai gravi les escaliers avec beaucoup de crainte. Donc je marchais, je tenais je tenais les balustrades pour grimper et on a fini de causer, je suis redescendu. Et après on a prié, quand on a fini de prier, parce qu'il est remonté légèrement après la réunion, quand la réunion était terminée, il fallait que j'aille lui dire au revoir puisque je ne dors pas ici. Quand je suis remonté, j'ai constaté que je suis remonté où j'avais peur sans toucher les balustrades. Et aujourd'hui, quand je suis même encore revenu, je suis remonté et je suis redescendu. Chez le frère chez qui on dort, parce qu'on dort à l'étage, au niveau 2 ou 3. En journée, je suis sorti, j'ai ouvert la porte de devant pour vérifier si j'avais encore cette phobie. Quand j'ai regardé, je voyais les gens qui étaient en bas et je n'avais plus peur. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Disons merci à Jésus. Let us say, Lord, thank you. Disons merci à Jésus. Let's all thank Jesus. Lord, thank you for your mighty peace. Lord, we bless you for your mighty peace, Lord. Oh, Lord, you are real. You are good. You are wonderful. We bless you. Tenons-nous debout. Let us all stand, please. La première chose, the first thing, c'est que nous allons mettre fin aux réclamations. Is that we're going to put an end to all the spiritual claims. Si tes parents ont pris des engagements, took commitments dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, in sorcery or in occultism, tu es concerné, tu es impliqué. You are involved, you are concerned. Certains ont consulté les marabouts avant de te concevoir. Others consulted witch doctors before you were conceived. Et dans ta vie, tu sens des combats. And in your life, you feel, you sense that you are in battle, you are fighting, you are waging war. Quand tu as un diplôme, when you have a certificate, il y a un démon qui dit que c'est son diplôme. There's a demon that says that certificate belongs to him. Parce que les parents ont pris des engagements. Because your parents took commitments. Ils ont payé. They paid, ou bien ils ont offert des sacrifices. Or they offered sacrifices. Et Satan a agréé leurs sacrifices. And Satan accepted their sacrifices. Quand tu crois, when you believe, de temps en temps, il vient dire, donne-nous notre territoire. Time and again, they come and say, give back our territory. Tu les chasses. You chase them away. Après, ils reviennent. Afterwards, they come back. Tu les chasses. You chase them away. Ils reviennent. And they come back. Mais il faut un acte définitif. But there must be a definite action that pour les écarter de ta vie. To get them completely out of your life. Il arrive aussi que certains les ont
chassés. It can also happen that others cast them out. À cause d'un péché. Now, but because of a sin, ils sont revenus. They came back. Donc nous sommes en guerre. We are in a battle. Tu ne dois pas te reposer quand les ennemis sont là. You must not dare to rest when your enemies are around you. Tu ne peux pas dire je les avais chassés en 2001. You can't say to yourself, I cast them away out in 2001. Alors qu'ils sont déjà revenus. What else have come back? Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je déclare. I declare. Que je ne suis pas concerné par les pactes des ancêtres de ma famille. I am not concerned by the pacts and the pacts of the ancestors of my family. Avec les démons. With demons. Même si moi-même je suis allé consulter aussi. Even if I went consulted myself, je me suis repenti déjà. I have already repented. Et je me suis séparé de ces forces. And I have separated myself from them. Et ceux qui sont partis sans me demander. And those who went without asking me, je ne les ai pas envoyés. I did not send them. Je brise tout ce que j'ai bâti moi-même. I break all that which I built myself. Je brise ce que j'ai bâti moi-même. I break all that I built myself. Je brise ce qu'on a bâti en mon nom. I break all that was built in my name. Je brise tous les liens malsains établis. I break every evil chain, every tie established. Si c'est une plante, je la déracine. If it is a plant, I uproot it. Si c'est un objet enterré, je le déterre. If an object is buried, I uproot it. Et je le brûle. And I burn it. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Continue à prier. Continue to pray. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Qu'aucun esprit méchant ne me suive. No evil spirit should follow me. Aucun esprit de mort. No spirit of death. Aucun esprit démoniaque. No demonic spirit. Je ne donne rien à personne. I owe nothing to anybody. Jésus Christ. Jesus Christ a donné sa vie pour moi. Gave his life for me. Il m'a racheté par le sang, son sang précieux. He redeemed me with his precious blood. Satan. Satan, éloigne-toi de moi. Be gone from me. Éloigne-toi de moi. Go far away from me. Que tout esprit qui m'a suivi, like every spirit that dared to follow me, les esprits humains, les esprits de mort, human spirit, the spirit of death, les esprits des ancêtres, même si c'est un grand-parent, the spirit of ancestors, even if my grandparents, et s'il y a un esprit qui habite quelqu'un, and if there's any spirit that lives in anyone, à cause de ces pactes, because of these pacts. Il part au nom de Jésus-Christ. Be gone in the name of Jesus. Il part au nom de Jésus-Christ. Let it go in the name of Jesus Christ. Continue à prier. Continue to pray. Qu'il parte. Let it go.
Qu'ils partent. Let them all go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier. Continue to pray. Pray avec autorité. Pray with authority. Écoutez. Now listen, listen. Écoutez. Listen. Garde local. Please, just keep quiet. Il faut frapper. You must have to strike. Tu es en train de te délivrer. You are delivering yourself. Il y a des gens, les esprits des morts sont en eux. There are people who have the spirit of death in them. Tu marches. You are walking. Ils sont là. And they are there. Ils disent que tu es leur enfant. And they say that you are their child. Pour les chasser. To cast them out, ça doit d'abord t'énerver même. You must first of all be angry about the whole issue. Un démon dit que tu es son enfant. If a demon tells you that you are his child, est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis, je ne veux aucun esprit de mort sur en moi. Say, I don't want any spirit of death in me. Même si je suis allé consulter les marabouts. Even if I went myself to consult a sorcerer, j'ai confessé ça devant mon Dieu et j'ai abandonné. I've confessed it before my God and I've abandoned it. Donc aucun esprit ne me suive. Therefore, no spirit has to follow me. Aucun esprit ne touche à ce qui m'appartient. No spirit should touch anything that belongs to me. Prie maintenant. Now pray. Sede kabakala bakasa karabakasa karabakasa kabaka urubakase karabakase kabakase ka ere bakase tekere bakaramase mikare taida venda yo tere bakote bakata bakote bakata bakote bakete bakote bakata bakote bakote bakete 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 bakase ka yete kere akose kere bata lori albasama kotere amasenika lori kera basanga We break the chains. Ce qui vient des eaux. Whether they come from the water. Ce qui vient des montagnes. Whether they come from the mountains. Ce qui vient des forêts. Whether they come from the forest. Ce qui vient des déserts. Whether they come from the desert. Ce qui vient des cimetières. Whether they come from the graveyard. Ce qui vient du séjour des morts. Whether they come from the tous. Go. Partez. Be gone. Partez. Be gone. Partez. Be gone. Partez. Be gone. Continue à prier. Continue to pray. Corre acá,
Jésus. Say the name of Jesus. Je chasse tous les faux dieux de la famille. I cast out all the false gods of the family. Je prends ma famille. And I take my family. Je donne à Jésus. And I give my family to prends ma famille. I take my family. Je donne à Jésus. I give to Jesus. Je prends les bébés. I take the children, enfants, the babies, the children. Les adultes. The adults. Les vieillards. The old. Je donne à Jésus. I give them to Jesus. Je chasse tous les faux dieux. I cast out all the false gods. All the false gods. Les crânes. The skulls. Les serpents. The serpents. Les panthères. The panthères. Les masques. Tous les faux dieux. All the false gods. Dehors. Out. Dehors. Out. Continue à prier. Continue to pray. Glory back to Seka, back to Saka, back to Seka. Yeter back to Saka, back to Saka, back to. Glory back to Seka, back to Seka, back to Saka. Glory back to Seka, back to Seka, back to. Dehors. Out. Tous ceux qui ne sont pas Dieu. All that which is not God. Tous les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre. All the gods that did not create the heavens and the earth. Dehors, dehors, out, dehors, out, dehors, out, dehors, out, dehors. Out, out, out. Continue à prier. Continue to pray. I give the I cast out all the gods. I cast out all the gods. Maladies, we judge all diseases hereditaires qui proviennent de ces alliances. That come from this covenant. Nous jugeons toute maladie héréditaire. We judge all hereditary diseases qui proviennent de ces alliances. That come from this covenant. Et si tu as un mal que ton ancêtre avait, le grand-père, le père et toi, mets fin à ça maintenant. If you have a disease that your father had, your grandfather had, and it is functioning. Toutes les maladies. On te dit que ton ancêtre avait ça, ton grand-père avait ça, ton père. They tell you that your father had it, your grandfather had it. Dis que c'est fini maintenant. Say it is finished now. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous jugeons les maladies héréditaires. All hereditary sicknesses. Toutes les maladies qui proviennent de ces alliances. All these sicknesses that come from this covenant. Qui partent de père en fils. From father to son. Ou de mère en fille. From mother to daughter. Nous les jugeons. We judge them. Nous les détruisons. Decided. Continue à prier. Continue to pray. Au nom de Jésus, say in the name of Jesus. J'arrache tout ce qui m'a été volé. I snatch all that was stolen from me. M'a été volé. I snatch everything that was stolen from me. Et qui a été caché dans les eaux. Hidden in the waters. Je l'arrache maintenant. I snatch them now. J'arrache ce qui m'a été volé. I snatch all that was stolen from me. Caché dans le séjour des morts. And hidden in the. Je l'arrache maintenant. I snatch it from now. J'arrache ce qui m'a été volé. I snatch all that was stolen from me. Qui a été caché dans les abîmes. And hidden in the abyss. Je l'arrache maintenant. I snatch them it from now. Même si c'est suspendu dans les lieux célestes. Even if it's suspended in the heavenly. Je le récupère, je l'arrache. I recover them and I snatch them.
Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier pour toi. Continue to pray. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. S'il y a quelqu'un dans cette salle, if there's anyone in this hall, ou en ligne, or online, qui a été envoûté, was bewitched, soit si on a mis sa photo dans une bouteille, if his photo was put in a bottle, cassons cet envoûtement. We break that bewitchment. Nous brisons cette bouteille. We break this bottle. Si c'est un canari, if it's nous cassons ce canari. If it's that calabar, nous we le break brisons. It and we break it. Si c'est dans une prison spirituelle, if it's in a spiritual nous prison, brisons les verrous de fer. Nous cassons cette prison. We break that prison. Nous libérons les captifs. We set the captives free. Nous cassons cette prison. We break this prison. Nous libérons les captifs. And we set the captives free. Continue à prier. Continue to pray. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous jugeons tout esprit. We judge every spirit. Appelé mari de nuit ou femme de nuit. Carry God, husband of the night or woman of the night, wife of the night. Responsable du célibat. The one in charge of celibacy. Ou du désordre dans les foyers. Nous les chassons. We cast them out. Nous les chassons. We cast them out. Continue à prier. Continue to pray. Jésus. Nous chassons les esprits des eaux. We cast out all the spirits of water. Nous chassons les esprits de mort. We cast out the spirits of death. Nous brisons le joug de la méchanceté. We break the yoke of wickedness. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Continue à prier. Continue to pray. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Va-t'en, vite au nom de Jésus-Christ. Be gone, quick, in the name of Jesus Christ. Esprit mauvais. Evil spirit. Sors et va-t'en. Come out and be gone. Esprit mauvais. Evil spirit.
Va-t'en et ne reviens plus. Be gone and never come back again. Tu restes concentré. Stay focused. Le Seigneur peut opérer quelqu'un, enlever une boule, un kyste, une hernie. The Lord may be operating someone to pull out a cyst, a cancer, hernia. C'est un temps de guérison. At a time of healing. Il peut aller dans les eaux. Te délier. He may get right to the water to set you free, to deliver you. Même si c'est au fond de la mer. Even if it's in the water, in the sea. Même si c'est au fond de la mer. Even if it's deep down in the sea. Il peut chasser l'esprit de ton ancêtre, un grand-père qui t'habite. He can cast out the spirit of your ancestor, a grandfather who lives in you. Va-t'en vite au nom de Jésus-Christ. Be gone and quick in the name of Jesus Christ. Va-t'en vite. Be gone and quick. Esprit de mort. Spirit of death. Va-t'en vite. Be gone and quick. Esprit de mort. Spirit of death. Va-t'en. Be gone. 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 Karabaka shakara. Urukupaka. Va-t'en vite. Be gone and quick. Esprit de mort. Spirit of death. Va-t'en. Be gone. Esprit de mort. Spirit of death. Esprit de mort. Spirit of death. Va. Out. Va-t'en. Be gone. Et ne reviens plus jamais. And never come back again. And never come back again. And never come back again. Esprit de mort. Spirit of death. Tu ne prendras personne. You will take no one with you. Nous mettons fin à tes calculs. We put an end to your calculations. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. La bataille contre l'esprit de mort. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Esprit de mort. Spirit of death. 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 Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Tu ne restes nulle part. You will remain nowhere. Tu ne touches à personne. And you touch no one. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Il faut insister. Il y a quelqu'un qui doit être délivré you de l'esprit de mort. There's someone who must have to be delivered from the spirit of death. La personne voit déjà les morts en rêve. The person sees the dead in his dream. Avec eux, il mange avec and speaks with, converses with them and eats with them. Ce jour doit être son jour de délivrance. This day is his day of deliverance. Ça doit être ton jour de délivrance. This day is the day of your deliverance. Ça doit être ton jour de délivrance. It is the day of your deliverance. Ça doit être ton jour de délivrance. Today is the day of your deliverance. Je t'arrache de ses mains. We snatch him from your hand, from their hands. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ.
Je t'arrache de ses mains. I snatch you from his hands. Je t'arrache de ses mains. I snatch you from his hands. Je casse le lien. I break all the ties. Uruba kase karaba kase karaba kase. Uruba kase karaba kase karaba kase. Uruba kase karaba kase karaba. Uruba kase karaba kase karaba. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Esprit de mort. Spirit of death. Qui habite un corps. Living in a body. Ou qui suit quelqu'un. That follows someone. Tu es exposé. You have been exposed. Attends maintenant. Be gone now. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Kuria bakashere bakashere. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Ora bakashere 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 Continue à prier. Continue to pray, please. Ils sont déjà en train de partir. Un à un. Continue to pray. Prie pour toi-même. Pray for yourself. 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 Dieu, au nom de Jésus, say in the name of Jesus, nous délivrons ceux qui sont poursuivis par la mort elle-même. We deliver those are followed by death himself. La mort elle-même. By death himself. Va-t'en. Death be gone. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Et nous commandons à tous ces serpents de s'en aller. I will command all these serpents to be gone. Partez, partez, partez. Be gone, be gone, be gone, be gone. The esprit de serpent. It's finished, serpent. Partez. Be gone. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Partez. Be gone. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Oh, bakasher, 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 bakasher. Continue à prier. Continue to pray, please. Dans bientôt on va arrêter. Very soon we are going to stop. Dans bientôt on va arrêter. Soon we are going to stop. Rassure-toi que tu as tout cassé. But ensure that you've broken everything. Rassure-toi que tu as tout brisé. Ensure that you've broken everything. Partez. Be gone. Je partais. Be gone. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Partez. Be gone. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Partez. Be gone. In the name of Jesus Christ. Partez. Be gone. 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 Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Brise vos trônes. We break our thrones. Je renverse vos demeures. And we overthrow them. Renversons vos demeures. And go back to where you live. Brisons le trône. We break all the thrones. Renversons les demeures. We overthrow the living places.
Au nom de Jésus, nous jugeons tous les serpents qui sont en même temps les maris de nuit. Nous vous jugeons. Nous taillons en pièces. Nous délivrons vos captifs. We set your captives free. Des captifs. Set captives. Sortez de prison. Come out. Jésus vous libère. Jesus sets you free. Sortez de prison. Come out from prison. Jésus vous libère. Jesus sets you free. Tu entres dans des nouveaux jours. You are entering into a new day. Tu ne seras plus le même. You will no longer be the same. Tu ne partageras plus l'existence avec les démons. You no longer share anything with demons. Gardez le calme. Please stay quiet. Si le Seigneur te dit, confesse tel péché. If the Lord tells you to confess this or that sin, il faut obéir. Please obey. Si le Seigneur te dit, j'ai été exaucé. If the Lord tells you, I've answered you. Il faut lui dire merci. Sans douter. Thank him without doubting. Tu es calme pour entendre sa voix. You are calm for to hear his voice. Commence à lui dire merci. Start to tell him thank you. S'il te dit, j'étais guéri. If he tells you, I have healed you, ne doute pas. Do not doubt. S'il te dit, j'étais sorti de la sorcellerie. If he tells you, I've gotten you out of sorcery, il faut croire. Believe it. Tu ne seras plus avec eux. You will no longer with them.
You will no longer be with them. Jésus t'a enlevé. Jesus has taken you out of their midst. Dis amen. Say amen. Et ça, c'est un message du Seigneur pour quelqu'un. Now, this is a message of, from the Lord for someone. Je t'enlève de la sorcellerie. That I'm getting you out of sorcery. Il dit, je t'enlève de la sorcellerie. Saying, I'm pulling you out of sorcery. Il dit, je te donne mon repos. He's telling you, I give you my rest. Je te donne mon repos. I give you my rest. Ils n'auront plus jamais accès à ton esprit. They will never have access to your spirit. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Pose les mains sur ta tête. Place your hands on your head. Dis qu'aucun esprit ne me suive. Say, no spirit should follow me. Tu dis, vous restez là où vous êtes parti. Say, you remain where you came from. Vous ne m'attendez pas en chemin. Vous n'allez pas chez moi à la maison. You dare not wait for me on the way. You should not follow me to my home. Je me plonge dans le sang de Jésus. I plunge myself in the blood of Jesus. Dis merci, Seigneur. Say, thank you, Lord. Amen. Amen. Aujourd'hui, éternellement, viens.